Salut tout le monde, c'est Nasatu, on va regarder une story de Sibu et après la story je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. On a assisté au premier but, ton premier sentiment? Bien, vous êtes qui vous? Le premier sentiment, franchement ça fait plaisir puisque c'est mes amis qui jouent avec la Guinée. Et j'ai un chou pour la Guinée, donc ça me fait plaisir et j'espère qu'ils vont mettre un deuxième but encore. Pensez-vous de ce... Oh là, j'étais fatigué, je voulais pas parler. C'est ce qui compte, c'est la victoire. On est contents, on est tous là, les Algériens. Ah là, j'ai dit n'importe quoi, juste pour... Putain. Quelle ambiance. Ouais, mais voilà, il y a du monde, il y a les enfants. Putain, juste après notre match Algérie-Turquie, il y a une finale, là. Maroc Comore, ça veut dire faut qu'il y a du monde. Celui qui passe, il est en demi-finale entre le Maroc et le Comore. Nous, on est qualifiés, la Guinée aussi, Tunisie aussi. Et là, c'est entre Maroc et Comore. Et ne demandez pas je suis pour qui, faut pas oublier que... Je suis marocain aussi. Allez, allez. Allez le Maroc. Allez. Allez, allez, les Marocains, allez, allez, les on t'attrape, allez, allez, nos doyennes, allez, allez, des mamarés, allez, allez. Ouais. Ah, victoire, 13-0 contre la Turquie, j'ai mis 8 buts, 8 buts incroyables. Et là, il y a un grand match, grand match, Maroc-Comore, la finale des phases de poule. Le gagnant sera en demi-finale. On commence par l'île du Comore. L'hymne du Comore. Ils sont là les Comoriens. Malik, alors on peut applaudir l'île marocaine. Très très gros match qui s'annonce. Ce soir on s'est croit. Oh là là, quel but. Incroyable. Quel but du joueur. Ah oui, ma main. C'est incroyable. Wallah, il a tué la défense comorienne. C'est incroyable. C'est pas la redorage. Incroyable. Voilà Karim Amel, c'est pas facile. Le deuxième meilleur buteur. C'est le Maroc, les roues. Incroyable. Ça fait plaisir, on l'a. Ah ouais. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. Ah la la montata. Ce soir, c'est la montata. Les trinons dansés sont le monter. Les trinons larmes sont le monter. Même les gâtins sont le monter. Les poutines sont le monter. Je suis chanteur et tout. Ce soir c'est la remontada. On est dans le sol, les pâtés. Sur le terrain, on est là que. Si les feux que me rabattent. Ouais, Malek. La ligne tank à gauche. Attaquer centre à droite. Attaquer centre à gauche. Attaquer centre à droite. Dans le vélo, dans la bataille. Dans la bataille, dans le meilleur, dans le seul amour, dans la bataille. Mouillé le maillot et maillé. Ça fume. Mouillé le maillot et maillé. Désormais.
Il a marqué 8 buts. Ça fait beaucoup 8 buts quand même. Et bon, il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont déjà DH, voire niveau national, qui jouent sur cette CAN. Surtout côté algérien et marocain. Donc, on verrait bien peut-être une finale Algérie-Maroc à la CAN CLF. Et c'était très serré, franchement. Dans le match de poule Maroc à Algérie, je l'ai vu. Et quand tu parles de moi, qu'est-ce que tu racontes? Non, les aime pas les putos comme les decks. La pomme, bien goûté, on l'a. Bien goûté, on l'a là. Bien goûté, on l'a. Bien goûté, on l'a là. Je t'ai dit goûté, on l'a là. Ils ont plein la Valax, ils ont acheté la Valax. Y'a les soirées. Pas content ici. Gueuler, on s'est gueulé. Machallah. Donc apparemment le Maroc s'est qualifié en demi-finale à la CAN CLF. Donc on va voir peut-être une finale. Ne vendant pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué néanmoins. Donc on va continuer à suivre cette CAN CLF Clermont-Ferrand. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.